Intervention militaire dans le pays d'Haïti, peuple haïtien. Jodi en 22 mai 2024. Demain, si Dieu veut, 23, c'est date qui est retenue pour que, eh bien, 1000 policiers qui sortent dans le pays Kenya, qui rentrent aux États-Unis d'Amérique, et puis pour nous descendre dans le pays d'Haïti. Après-midi, il y a un bagage qui sorti. Et par rapport avec un pile message que je recevais tout, me dit que il n'y a pas de problème, non, si je dois faire un petit parler sur dossier, intervention militaire. Il y a un pile qui dit, est-ce que c'est intéressé ou pas intéressé ou qui cause ou pas parler de lui? Ce n'est pas que pas intéressé. D'ailleurs, naturellement, nous sommes capables de garder la quantité de bataille que nous faisons pour que nous puissions parler des dossiers et force multinationale, sa force robusta que Ariel Henry avec l'équipe lui demandé. Nous sommes très critiques envers ça. Et nous demandé, parce que c'est pas comme si nous critiquons, nous dit que n'est pas bon, et puis nous pas proposons bagaille. Nous te dit que si les États-Unis d'Amérique a aidé nous, ou bien envie aider nous, même j'ai une volonté réelle pour yo porter support by Ukraine qui nous bataille tête chargée depuis environ 3 ans avec la Russie, je pense que il met ballon tilossier. Un tilossier, c'est aider nous jeunes des techniciens qui pour venir sur le terrain avancer formation policière pour nous et puis aider nous jeunes matériel pour 50 à 60 millions de dollars américains. Stanley Lucas a toujours connu l'émission nous qui m'a profité pour me saluer là qu'on a toujours parlé de ça. 60 millions de dollars américains matériel a suffi pour nous. Même demande Stanley Lucas a fait depuis environ 2 ans, c'est même lui-même non que les États-Unis d'Amérique essayez de gérer pour nous. 60 millions de dollars américains matériel. Maintenant, est-ce que c'est cadeau? Et c'est ça qu'on ne peut pas connaître. Et ça qui est un danger pour nous tous, comme jeunes, qui ne cherchent pas à connaître ça. Est-ce que 60 millions de dollars américains matériel, non? Est-ce que c'est cadeau? Est-ce que 200 millions de dollars américains que Kenya a besoin, que M. Kel joigne, non? Qui fait que li prend tête force multinationale là pour le voyer troupes li dans le pays d'Haïtien, est-ce que c'est 200 millions le joigne déjà? 200 millions ça, dans un premier temps, est-ce que c'est cadeau ou fait nous li? Mba quoi le cadeau? Dans l'émission ça, nous pourrons le faire parler, oui, parce que li est important et pour nous gérer ça. Maintenant, il y a une bataille là qui déclenche. Côté que toute gang, kidnappeur, assassin, terroriste qui dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince là, déclenche une opération crasé commissariat. Tout gros commissariat qui est dans la zone métropolitaine n'a pas décidé pour craser. Avant hier, on capable dire environ 17 18 mai qui se passé là, la mort sans jour avec groupe terroriste li yo crasé ou dans plus gros prison dans pays ya. Prison civile de la Croix des Bouquets, pénitentiaire Medhi. Hier pas plus tard qu'hier soir. Alors matin, yo fait connait que monsieur Matissan yo boule rapieté et décide craser comment se craser même commissariat qui sous Matissan. Et si monsieur a crasé commissariat pour moi même théorie ça aurait si senti que yo gon panique. Pendant que me senti que yo gon panique, mais gagné représentant famille Lavalas en dedans qu'on lève cette tête terroriste criminelle assassin qui a vite pillé comme pays qui déjà commencé voler comme pays. Monsieur fait une intervention dans France 24. Quand que monsieur dit clairement que force multinationale qui a venu, troupe Kenya, pas venir bataille contre gang. Et c'est là tout haïtien qui dans pays d'Haïti va commencer à comprendre la réalité. Je dis nous clairement. Là, des officiers dans force police Kenya et militaire Kenya qui étaient débarqués dans le pays d'Haïti. Depuis soir Ariel, n'écoutez fond déclaration. C'était environ 25 monde dans délégation. Ils ont dit comme ça que Kenya troupe Kenya qui vient là, il a vinn aider débloquer grand axe routier yo. Il a vinn sécuriser port, aéroport et sécuriser bâtiment public yo. Est-ce que vous avez jamais dit que vous avez démantelé les gangs pour nous? Non. Vous avez jamais dit que vous avez démantelé les gangs. Vous avez dit que vous avez débloqué la route nationale. Vous avez contrôlé l'aéroport et puis le port. C'est ça, vous avez et puis le bâtiment public dans le pays. Ça veut dire qui ça? Dites-nous clairement.
Et c'est réfléchir bien sous force multinationale, soi-disant, où cap venir. Et regardez qui ça qui a ce cap posé. À côté, aéroport international Maïgatéen, il y a une base militaire américaine qui a construit là. Même pas de bagaille force Kenya, police Kenya. Il y a 1000 policiers volant Kenya. Ça va être intéressant. Ça qui est intéressant, c'est américain. Parce que je suis sûr que si les États-Unis d'Amérique ont une bourrette concrètement, la baille concrètement. Mais qui sont les policiers Kenya? Ça va m'y rien devant 1000 policiers que nous gagnons dans SWATIM, dans KATIM, dans USGPN, dans UTAG, dans USP. Ça va m'y rien. Sauf que nous n'avons pas des dirigeants qui ont des caractères qui pour dire que les États-Unis d'Amérique, 1000 policiers Kenya ont banou yo, aidez-nous à avancer formation pour 1000 policiers en Haïti et puis nous mettons là pour nous résoudre le problème. Si nous connaissons que ces 1000 policiers capables de résoudre. Soit ben nous matériel là. 1000 policiers qui sont Kenya, ça va intéresser nous. Mais maintenant, question qu'a posé. Qui ça fait que c'est port, c'est aéroport, c'est route nationale et puis bâtiment public yo. Et c'est ça qui est important pour nous connaître. Banque centrale, monsieur, que la bon contingent. OK, aéroport là, déjà militarisé. Aéroport international Maïgaté, militarisé. Ou pas qu'à fouti joindre si terroriste vient tirer sur l'aéroport là encore, il va faire. Port de Port-au-Prince, il va le débloquer. Et l'a militarisé. Est-ce que nous comprenons ça, ça veut dire? Port de Port-au-Prince, l'a militarisé. Pas que tu m'as dit qu'il peut approcher Port là. Est-ce qu'il y a vint touye chef de gang qui est aux alentours? Et c'est ça la question que nous devons gagner, nous devons exiger réponse. Déjà, nous, ouais, représentant famille Lavalas, debout de Lavalas, ou dit, moun qui vraiment mette gang dans le pays en premier, et qui paricide, c'est Jean-Bertrand Aristide, qui te mette gang dans le pays. Tout le monde connaît sa famille Lavalas. Et toujours, tout le monde a preuve. Et m'a vidéo là. Vous comprenez? Ça veut dire que, faut que nous rassurons que, ça qui a venu, qui ça l'a venu fait? Et qui ça a été dit, nous a venu fait? Même vous ne connaissez pas, puis quand nous avons confusion, checkez pas si vous non. Checkez comment vous allez. OK? Ça veut dire qu'il faut que nous fassions très attention. Ça, c'est la liba piti. Même dis-nous naturellement. Gon grand bagaille. Nous pas qu'à bataille contre les États-Unis d'Amérique. Ou pas qu'à bataille contre les États-Unis. Ou pas obligé de bataille contre le Canada. Ou pas qu'à bataille contre la France. Ou pas qu'à bataille contre l'autre pays. Même en face de la Dominicaine, nous pas qu'à bataille. Et m'a dit ça très bien. Est-ce que le nécessaire tout pour bataille? Soit bataille tout ou bataille pour qui ça? Qui ça problème non? Et c'est identifier qui est-ce qui problème non? Et puis automatiquement, ou va ouais, qui est-ce qui solution? Qui ça qui formule qu'on capable utiliser pour une solution? M'a dit nous en premier. Premier problème Haïti, c'est Haïtien. Qui est Haïtien? Est-ce que c'est nous tous? Et c'est ça que nous capable poser comme question. Nous connaissons à poser ça. Est-ce que c'est nous tous? Ou capable dire qu'on pas complice? En nous mettant, nos quatre générales, nous toutes complices. Mais sauf que, un groupe de nègres qui décide de faire mal, et c'est volontairement, il a fait toute nous toute majorité mal, comme c'est nous toutes qui complices, mais un groupe de nous, un groupe parmi nous, qui décide de faire nous crime sans pareil et en permanence, nous décide pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous dire que nous n'avons pas de problème, nous avons fait partie de solution, mais solution, c'est la formule que nous allons utiliser pour nous éradiquer le groupe criminel qui est dans la politique paysan, qui va le pays marché. Et c'est ça qui est important pour nous. Est-ce que nous était nécessaire pour nous avoir une intervention militaire dans le pays pour le moment? Non. Est-ce que était nécessaire? Non. La police nationale d'Haïti a besoin de tout matériel sans que l'armée américaine tape bali, pas de problème, avec des techniciens pour manœuvrer, avancer formation pour que nous soyons capables de piloter et puis nous sommes capables de résoudre le problème gang. Non. Parce que vous oubliez, commissaire Muscadet, équipez-le, bal matériel solide, mettez-le opérationnel sur toute étendue territoire national. Muscadet a botté bandi au grand bagren. Maman petite tape à revente. Tout n'est tape mouri. Population tape lancé opération bois calé. Dans bouda bandi. Parce que le sang tape résout problème gang nan. Et m'a dit ça. Pour résout problème gang nan dans le pays ya. Et puis c'est haïtien qui prend tête opération pour mener opération contre gang yo. Et puis m'a dit peuple accompagne l. Nous pas prenons yon moi. Pour nous pas gon grand bandi dans le pays encore. Et c'est ça que m'dit. Mettez commissaire Muscadet confortable. Avec des matériels. Ballon 4 blindés. Moi, tant que vin là, moi, gros tant que vin là. Là, gros tant qu'à terre dans mes Muscadet. Muscadet prend direction village de Dieu. Et puis, sortez à tout. Ah, sorti Muscadet, sorti principe, sorti avec tête iso. Mais maintenant, l'offre sort avec tête iso. Est-ce que c'est iso seulement qui doit mourir? Faut nous tout lancer opération généralisée. Côté que,
depuis ces nèg avec femme qui t'a baise zam avec balle dans pays hein pour tout yemoun dans pays hein faut tout mourir tout. Et c'est ça qui est important pour nous. On te dit nous ça très bien. États-Unis d'Amérique, yo pas avec nous comme peuple. Yo pas avec nous. Même nous suspendre hypocrisie tout. Nous hypocrite trop tout. Nous fait tout est fucking capable. Nous sommes en Haïti, nous goumen ou monter États-Unis. Ou travaille dit, premier objectif c'est acheter un caille, acheter terre pour construire caille ou bien acheter caille ici aux États-Unis d'Amérique. Mais couillon américain débarque en Haïti pour l'acheter caille ou foutre pété cri, ça fait ça. Posez une question. Attendez, on nous pose une question, qui ça fait ça? Qui ça fait même acheter caille la caillou? Et puis yon même pas acheter caille la caillou. Mettez hypocrisie de côté. Pour un pays développé, surtout dans l'état que nous est comme peuple, faut nous fonctionner même avec la Dominicanie. Et pour après, sous-pap pays. On peut dire comme ça que tout le monde qui vient faire chan d'hôtel et Punta Cana, qui prend Punta Cana comme si n'a du café bel dans niveau ça, ou pas dire que c'est Van, et comme il est Abinadel, Van toute la Dominicanie, bon même s'il te Van ni. Est-ce que groupe Moun Castel là, vous mettez sous deux à la velle? Est-ce que Dominique a besoin de passeport pour aller Punta Cana? Est-ce que vous mettez identifié pour la rentrer là? Non. Ça veut dire qui ça? Mentalité acaïque que oligarque a mette dans tête ou comme peuple, hein? Que vous faites politicien mettez dans tête ou comme discours réel, hein? Ou retirez dans l'esprit ou? Pour Haïti développer, pour la pour nous connaître, premier ennemi ou dans le pays, c'est les politiciens avec oligarchie pour sortir. L'on parle de exploitation minière, ressources minières. Exploitation ressources minières, pour t'en bien oui, pour que naturellement nous résoudre ça ou bien tout, pour suspendre parler de ça, chercher qu'on est qui est ce qui est vrai, groupe moun kap exploiter ressources nous yo. Est-ce que c'est américain directement? Mabdou sa yo di ya. Et pourquoi j'aime go moun ki dil? Parce que yo konne le Mabdou li. Premier groupe moun kap exploite tout le sous kori nan pays d'Haïti en Katimini, c'est des oligarques corrompus qui avec des nèg kap vann lot tout côté dans monde lan, y a fout exploité. Ou pas tout côté? Yo besoin côté pour acheter 100 carotte. Yo fout clôturel. L'autre débarque mande 800 carotte pour faire qui ça? Il doit faire zone franche, pour faire bagarre agricole. Menton! Eh bien, lycée oligarque. Le lan pays va poser question et ben il vient avec paquet blanc partout les blancs beaucoup de le qui blanc que yoyé ou pas connaissez même oligarque yo y a brouté ça au besoin mais maintenant pays a nommé nous qui ça ne voulait faire même n'a continuer rancer ou bien n'a parler bagage sérieux n'a continuer rancer ou bien n'a parler bagage sérieux yo mette comment les neuf petits voleurs vicieux corrompus devant nous pour nous parler de yo et puis pour tout bagage à régler en catimini tout ça qu'a régler là c'est des oligarques corrompus qu'a régler. Qu'est-ce que vous allez dire, parler de Américains? Parler de Américains qui s'en prennent battre avec Américains? Je vais battre avec Américains? Qui s'en prennent dire ensemble avec vous? Pardon. Désolé. Désolé. Voilà. Est-ce que nous comprenons M. Abdoulan? Désolé. I'm sorry. Voilà. Est-ce que nous avons battu avec Américains? Non. Est-ce que nous doué? Est-ce que nous identifions vrai ennemi nous? Est-ce que nous identifions vrai ennemi nous? Moi, je pense que ce qui est important pour nous, c'est mettre pieds nous à terre, identifier qui est ce qui est vrai ennemi nous, et puis pour nous battre contre vrai ennemi. Mais ce n'est pas campé. Pour parler de Américains, passer par la lobby, et puis nous pas jamais identifié. C'est oligarque qui met tête avec politiciens qui détruit comme peuple. T'as les yeux, messieurs, dames. Si pas de oligarque dans le pays qui prend décision pour tous les jeunes, ou qu'un politicien ou tape katouyel, négatif. Et de pourquoi oligarque Abdou mette fixe, mette projecteur sous, dans telle direction pour qui pour vous? C'est sous l'île, besoin retirer pour le mettre de l'autre côté. Ou pas de paquet oligarque? Depuis au palais, oh oui, n'a pas de justice pour Jovenel, nous comme si nous pas questionner les États-Unis. Et au cap dim pour me connaître qui est tout Jovenel? Pendant que c'est au bec pour tout Jovenel là? Ou venir dire c'est américain? C'est nous-mêmes, les gars, compi, qui fout tout Jovenel. Et m'a dit nous en premier, politiciens traditionnels, yo, messieurs, dames. Moi, prends mon dîner, c'est là comme témoin. Si nous ne prenons pas une décision drastique contre messieurs Sayo, messieurs, dames Sayo, ou pas jamais gagner pays, non? Rete, la politique, son gros bagaille, ou mettre là? En Dominicani, cap marché, j'ai la panche là. C'est une décision politique réelle qui prend faveur pays en faveur peuple là, oui. Politique là doit changer. Retirer moun yo. On fait une vraie bataille.
manchette dans bout d'un politicien. Batelier! Allô, 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 tout le monde est là, son! Allô, 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 tout le monde est là, son! Allô, 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 tout le monde est là, son! Allô, 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 tout le monde est là, son! Bataille liée, trompette la sonne. Jodi un peu haïtien, j'aime dire nous 22 mai 2024. Et encore une fois, m'a profité pour me dire bonjour, bonsoir. Dépendamment de qui l'heure, ou attendez nous et ou regardez nous. Encore une fois, c'est un plaisir pour nous pour qu'il nous sommes avec sur plateforme Banouan, qui c'est plateforme Maman Peba, plateforme Pays Poté, plateforme qui pape Chaylan, plateforme Cap Dil Jenye, plateforme qui connaît la vérité, plateforme qui a fait bataille. Pays, hein, qui c'est la plateforme YouTube, Info Betoa. Et on continue à mener bataille, hein, parce que c'est comme ça nous capable de permettre que pays ça sorti l'entre difficile qu'elle trouvait là. Situation compliquée, mais c'était ensemble que lié. Je dis une vraie décision pour qu'une prenne, c'est mettre tête nous ensemble pour qu'une fasse vraie bataille. Parce que situation qu'on a connue là comme peuple, c'est parce qu'elle nous divise. Nous divise, oligarchio après nier. Nous diviser, politiciens au fond seul, après nier. Ça veut dire que Haïti, que nous avons là, nous sommes capables de tirer dans ça que nous trouvons là. Mais son décision réelle pour qu'on prenne. Et. Allô, 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 tout le monde a sonné. Allô, 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 tout le monde a sonné. Allô, 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 trompette la sonne. Voilà, trompette la sonne, bataille. Voilà, peuple haïtien, Jean Dioulan, et 22 mai 2024. Alors, tout naturellement, on a tout rentré ensemble avec Pascal, qui depuis dans le pays d'Haïti. Nous allons faire parler de l'actualité. Pascal, bienvenue, comment nous y est? Gagne un pile cause qui a parlé de la République. Et bandi ou apkase commissariat passé par là, dans la capitale là. Nous tendez représentants famille Lavalas fait déclaration, dit que pays Kenya, pap vin bataille contre gang. Et nous-mêmes, dans l'émission, ça. Nous t'ai toujours dit peuple là en grande bagaille. Est-ce que vous songez déclaration représentant pays Kenya ou te fait dans pays d'Haïti ou te vient dans pays là? Nous t'ai dit comme ça que nego te dit y a vienne sécuriser port, aéroport et puis route nationale et puis bâtiment public. Est-ce que vous t'ai dit nous y a vienne bataille contre gang? Yo pas jamais te dit ça. Ça veut dire que famille Lavalas avec groupe gang nous parce que connait Lavalas c'est mouvement gang là, yo commencé dit vérité. Yo moun qui connaît que ou croiser des bras et pour penser que 1000 policiers Kenya a vienne trouver gang pour corvo fait. Ça veut dire que ce qui est important, c'est nous tous comme peuple qui pouvons mettre tête ensemble pour nous identifier le problème pour nous résoudre. Li. Parce que je dis, hein, vrai problème, ce n'est pas l'autre qui est politicien. Ou gérer le problème politicien, ou gérer le problème oligarque, demain si Dieu veut me garantir, ou gonfre ou capable de mettre dans le dossier gang, kidnapping, qui a fini avec nos pays d'Haïti. Pascal, bienvenue, comment nous, Ephraim? Nous saluons, Beto, nous saluons tout de suite à l'internet. Bon, et Gampil est causé dans la République. Très bien. Et c'est Leslie Voltaire qui dit lui, il y a un membre et coulève neuf têtes là. Bon. Et laissez-nous que toujours dire, moun qui pas comprendre rien rien, il était toujours dit c'est parce qu'il est favorable avec ça là. Mais nous dit en fonction de ça que c'est déjà en dans pays. Parce que nous toujours faisons appel historique, nous montrer et à plusieurs fois nous des forces multinationales qui entrent. Bon, là on toujours rentre, il va jamais résoudre question insécurité, oui. Du tout. Bon, et mobilisation est gagnée pour question force multinationale et venant d'un pays. On parle qui est ce qui motivé et qui crée toutes conditions avec quoi Ariel et d'autres alliés lieu. Et ça veut dire pour que vous avez force multinationale en train de vous attendre, Michel. Michel, oui. Parce que si on a précision qu'on était, oui, n'est-ce pas créé toutes conditions. Parce que dans tout le monde qui va comprendre là, et des gars qui n'est-ce pas fait là, qui est-ce qui était caché derrière d'eau, tout ça, c'était équipe Ariel là. Ariel là, Ariel. Je t'ai fait un objectif, je t'ai qu'un des pouvoirs. Cette distance pouvoir. Parce que vous connaissez, et peut-être que vous êtes pas voté, mon saillon encore.
et entrer dans la prison publique là où est gain à faire. Parce que moi toujours dis mon gars pile monde qui doit parler Haïti son pays et qui pauvre me dit non. Haïti c'est habitant yo qui pauvre mais c'est pas et pays à bon d'aller à peine que ça arrive la quantité l'argent de que c'est pas acheter machine quantité corps yo dans décaisser dans prison publique là pour faire ton soi-disant ce drapeau bon, avec tout le monde ça veut dire et Ariel il tape et construit ça bien là et c'est même ça Ariel construit à mettre le dire. C'est bon ça va aller là, parce que j'ai pas de jambes pensées qui vont l'air. Ça le tape monter sous terrain là, côté, il tape caché des. Et les qui des amis, il est comme parce que je peux utiliser Ozni là, utiliser Majorie Michel, André Michel, l'autre, pour comme Bainegio, avec chauffer, ça veut dire pour le café plus temps sous pouvoir. Et la gars là, ils vont côté, lui tourner contre Ariel. Bon, je dis à la. Tout le monde qui va vouloir quoi, bon, je t'attends, c'est Leslie Voltaire qui vous dit, il y a quoi, c'est yo pour gonfler le menu, pour résoudre le problème d'insécurité qui paye à quoi, et tout le problème qui paye à quoi. Si vous regardez, dans le pays africain, ou là, Burkina Faso, yeah. Niger, mais c'est pas force étrangère. qui t'a goumé là pour résoudre question de sécurité la caillou, non? Et pas ça seulement, yo te gagne la caillou pendant 10 ans, il va utiliser rien. Par contre, vous comprenez, il est obligé de vous l'aller. Yo mettez au dehors. Ça veut dire que pendant que yo mettez le dehors, ou après que, et comment le groupe terroriste qui gagne l'autre bois a commencé, yo commence à traquer yo, yo commence à prendre la fuite pour yo, et en pile là de yo mourir. Et ou après que la mer a commencé à doter tête li de matériel solide et n'a gien ba tête chargée comme si ça qui est important Pascal problème insécurité dans pays c'est moun kan dan pays qui résout ça et m'a dit ça honnêtement Pascal m'so dit tout à l'heure ouais ça qui dans pays d'Haïti là nous ka résoudre li on comment ka résoudre avec facilité haïtien ka résoudre li ouais ta commis cadet moi me dit ça très bien ou élément ta commis cadet si nous même comme peuple nous te prend bonne décision nous mettez Miskade côté pour nous mettre là et puis li baye mot d'ordre là peuple a décidé d'accompagner en vérité Pascal avec zong nous ta fin avec gang dans le pays là parce que me garantis tout ça on s'est passé ti monsieur yo a terre pour pas la pour nous connaître comme si n'a pas de résoudre problème gang et puis nous Pascal nous pas contrôler côté ministre yo sorti écoutez bien monsieur pas game factory qui a produit balle il pas une usine qui a produit cartouche vient jeune qu'est-ce qu'a baye cartouche là coûte cartouche sorti ça veut dire que moun k'a vendre cartouche dans pays il toujours à vendre ni Pascal. Ça veut dire que faut que nous t'acquions face au bon connais mon nom, mais n'ego connais mon nom, mais au quitter mon nom là, c'était la bonne cartouche. Et puis n'a cherché des tigres gang de temps en temps la police prend un petit bandit, les fusils. Il y a pour l'autre encore. Ça qui est important c'est chercher mon cap bonne cartouche là pour football dans tête litou, pour foot manchette dans tête litou et automatiquement le ça ou pas commencer mettre un frein dans petit bandit à sa patte parce que des bandits pas une cartouche là pour l'utiliser parce qu'on garantit où zam qui n'a même pas parlé de l'année non. Bon, c'est comme ça, Abdoulan, non? Mais comme si, ou la gueule la police a cherché grand gang, et puis, on n'est qu'à 20 munitions avec Zamnan, vous qui êtes là, bêtisé. Parce que c'est autant, ça gagne là pour chercher. Bon, on regarde, on n'est qu'à pour Romel Bell. Son équipe a doué dans la rue toujours. Voilà. C'est soit monsieur Tégué-Papi, qui est doué, qui est en point, voit qu'à aller ou bien le temps à la côte. Comme ces derniers temps, même si monsieur, qu'il dit qu'on a facilité, joindre Zamnan, ou crasé, puis on n'est qu'à pour Romel Bell. C'est Bakale. Bon, on regarde Robin et dans dossier Zam et Polypère. On va voir ça on juge fait les blanchi et Beto Dossé. Ça veut dire c'est DCP qui t'a bail menti. Ça veut dire que moi-même c'est DCP. Ouais dossier DCP. C'est même pas qui vient la question et l'église épiscopale là oui. C'est DCP qui t'a bail menti. Ça veut dire un juge vient blanchir dossier bête pendant que yo gen toute preuve sur nèg yo. Qui moun ki gen accès pour qui te zam rentre dans pays ya. C'est nèg ki gen contrôle pour yo. Et nous toujours dit tout autant. Pour yo. C'est non même nèg ki dans secteur privé qui yo nous pas jamais résoudre problème insécurité. Mais ouais pendant n'a dit ça Pascal. Bam tout ça honnêtement. Et m'a dit ça honnêtement,
pour nous dans dossier la justice là. N'a parlé tout à l'heure de nèg après transmission avec zam dans pays hein. Si nous besoin résoudre problème là faut nous ta connait yo puis pour nous traquer yo. Mais maintenant parce que l'on nèg connait on dit tant de bien un ministre qui dans trafic zam. Tout zan mille confirmé que li dans trafic zam là. Yo kembe tout zan mille still en bas code Pascal. L'on juge campé Pascal mais nous prend nèg ça et pour blancher dans la République. Faut juste ça, t'as payé ça cher, oui, Pascal. Comment ça passe? Est-ce que c'est physiquement pour t'appeler? Comment ça fait pour l'appeler physiquement? Parce que moun yon touye yon pas là encore, Pascal. Moun zam sa ou bête au dossier, rentre avec munition, rentre yon touye. Faut mieux yon pas dire honnête. L'on juge ou même, ou prenez que son blanchi ou la gueule dans la République, ça veut dire que ou montre la vie moun sa pas partir de l'an, pas gagne la justice dans le pays d'Haïti. Faut t'as passé mais à tous les niveaux. Je dis ça gagne là, Pascal, c'est Haïtien pour résoudre lui, mais c'est Haïtien qui gagne conscience, Pascal, mais problème non, pile n'importe où, Prince, oui. Franchement. Non. Ou ça gagne la raison. Faut qu'Haïtien prenne conscience que bout de ça, j'en fait, il était boumé pour nous. Il était boumé, il était quitté pour nous vivre dans le monde. Mais je veux dire, nous pas qu'à ça, tout simplement parler des ancêtres. Mais nous-mêmes, qui ça nous fait? Pour récupérer le pays. Parce que son pas dans l'hypocrisie, parce que le pays n'a pas dans les haïtiens authentiques encore. Non. Parce que, regardez, tout secteur, on n'est pas dit, qui génère richesse, tout le point question, et bagay qui vient, ça ou l'économie en même. Côté de l'argent, regardez dans les qui est sûr. On va rester dans les étrangers, parce que dans le monde qui doit faire, il y a parlé de. Et nul là sur Libanais, non, c'est dans les étrangers. Ou va ouais, on est sauté dans le pays, les sanctions comment ça va? À cause de banque, c'est dans les mafias. Dans les mafias, qui va dans rien pour avoir avec le pays d'Haïti. Avec le pays du tout. C'est grave, vous mettez là. C'est la famille là, pour les autres. C'est son chambardement total. Mais ça, on fait nous un crime, Pascal. Ben nous faites ce débat, ça. Ben mon émotion d'autre. Pas oublier ce soir, petit garçon. Pascal, n'est-ce pas fait un crime dans sa fête dollar américain, Pascal? Ou n'est-ce pas? C'est des gens qui prennent pognon sur place publique, mais du fait en bas, Pascal. Ou est-ce que c'est un par exemple, Edouard Bossan, Karl Boahon, Sheriff Abdallah, Pascal, n'est-ce pas fait un crime dans sa fête dollar américain? Ça cause une facilité pour prendre des décisions pour trouver Jovenel. Parce que n'est-ce pas décidé de prendre banque là même? Parce que n'est-ce pas décidé pour changer l'argent américain pour faire quantité de crop dans le pays? Et ça qui est plus grave. Et avec impunité totale, Pascal, ou mettre l'argent dans la banque là? Monsieur, vous mettez 1000 dollars américains jodi en là. Pascal, demain, si Dieu vous gros problème à 10h du matin, vous allez chercher 200 dollars américains, Pascal, vous allez chercher 50 dollars kabaou, ou vous pas gagner le même. La fille de ça qui pique là, Pascal, l'or revendique pour baoul. Qui est-ce qui vient prendre un collègue qui pousse au dehors? Son policier haïtien. Pascal, son policier haïtien pour montrer qu'on est la grave mettre là. Ça veut dire que moi-même, franchement, des fois, je me dis, Pascal, problème nous. Je me sens Haïti pour changer vraiment dans la façon de besoin là. Dans 25 ans, pour nous payer à souris vraiment, Pascal pour Pipiti, faut avoir un million haïtien qui pas bon monde qui passe, même j'en te fait dans le pays Rwanda. Pascal, comme si, mais on se comprend nous mettre là. Parce que des gens qui pas moun. Aïe, aïe, monsieur. Pour nous faire ça là, c'est un chambre de tout ça. Et c'est ça que vous voyez. Et dès que vous parlez de un mouvement révolutionnaire, plus monter sous tout le monde. Et après tout ça, vous connaissez pour gazer. Parce que vous connaissez sa capsulation. Pas de cas qui est sous ni oligarque corrompu, ni politique traditionnelle avec tout. Et moi, ce qui est créé là, c'est n'est pas ça. Nous n'avons pas une solution avec problème, non? Parce que vous groupe de gens qui décide, vous dites fuck, vous. Continuez ce pays à tout le jeune, sur la majorité de dans le pays. Et les autres fois où il agit comme ça, c'est parce qu'il n'y a pas aucun intérêt en pays. Juste, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt en pays. Regardez, je veux dire là, les gens font tout ça où on est. Ils crasent l'école en pays. Ils font là avec un esprit maniga. Je veux dire, la question de l'école là, c'est un bagage qui plate à terre. Avec les gens plus timoun qui va à l'école. Et raison de faire ça, c'est pour qu'il nous ait une ignorance humaine, puis qu'il y ait un chimère par eux. En regardant là, tout le monde qui a pu observer un groupe vagabond qui a pu arriver là, bon, qui n'a coulé cette tête là, il a confondu la tête avec le gouvernement. Pendant son exécutif collégial là, qui
et puis dans même vieux document qui est écrit à qui prie roi et faut bon gouvernement pour comme même bien gouvernement ou la quantité code qui a dépêché bon nèg ça tout doux il pas besoin gouvernement il pas besoin gouvernement c'est yo c'est neuf mois à qui tout gouvernement qui a décaissé l'argent pour gagoter autant de un milliard de gouttes. Un milliard de gouttes parce qu'il va décaisser pour faire qui ça pour décaisser by des magistrats sanguins calomnie si volé son compte de rebelle prend le boulet dans ville là Pascal mais on connaît là dans tout ça qu'a fait là on connaît qui est-ce m'a regardé dans couleur cette tête là qui pas j'aime parler qui juste que tes têtes frette partenaire que Laurent Saint-Cyr là Pascal. Et si on s'arrête, est un superstar, on ne peut pas parler. Si ça fait douane, ni cap régler, si ça fait business, cap régler, même. Parce que quand ça passe, chambre de commerce, tout ça qui a rapport avec comment les coopérations Haïti, si les bagages sont représentants Haïti dans les affaires commerce international, c'est eux-mêmes qui contrôlent ça en permanence. Les affaires consuls, les pays qu'on connaît, les pays maïnoriens, les pays d'Haïti, en dans, business, c'est eux qui contrôlent ça en permanence. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'être là, Pascal. Mais avantage que vous gagnez, et ça a besoin de tout. Ils ont besoin après assassinat. Alors, depuis avant assassinat Jovenel, Oligarchie a besoin même gens avec Luis Abinadel parce que pas oublier Abinadel c'est un homme d'affaires famille monsieur même c'est businessman qui roye il est sponsorisé des politiciens dominicains par contre vous comprenez non il va qu'on rentrer directement dans affaires politiques mais quelque part papa Abinadel bien comme c'était ministre comme ça et dans pays ça mais sauf que directement oligarchien pas de classe politique dominicaine pas de barre possibilité pour être rentré dans affaires politiques mais avec Abinadel en 2020 il a une chance ça il rentré et Pascal il a tout porté bourré. Ils ont décidé d'effacer directement la classe politique là. Mais ma dis ça qui est important. Nous-mêmes, nous avons tout cas des problèmes avec Abinadel par rapport avec la politique raciste que monsieur gagne. Contre nous-mêmes en tant qu'Haïtien. Ça qui fait gagner le tout. Ça qui fait monsieur pas ramasser, c'est parce que nous n'avons pas de dirigeants. Ou d'accord avec nous. Et l'autre bagage qui gagne, Abinadel, son est comme si nous avons fait effort avec la Dominicanie. Nous avons fait deux pays avancés. Monsieur avancé l'économie pays. Monsieur fait payer enfin pile l'argent. Parce que nous-mêmes, c'est business qui est. Oui. Mais ça qui est important pour nous connaître, en 2020, ou après oligarchie dans le pays d'Haïti, depuis 2019-2020, ou après nègre t'a forcé pour entrer dans la politique, par exemple Boulos monte parti politique Pascal, pour te monter comme si Mnadjou pour le vin candidat, mais on te comprends Mabdjou là. Il n'y a pas une possibilité, hein? Et puis ouais, comme si en 2020, situation vin compliquée, Abinadel monte président, ou peut-être vin gros, 2021, yon senti bagala compliqué, je venais pas au passé, et pour nègre prendre décision pour yon capable de jouer un champ libre, non seulement je venais couper contre la bouillot, Jovenel pral facilite haïtien que nèg yo considère comme étranger yo rentre dans affaire politique nèg yo dit faut que éliminer Jovenel pour éliminer tout projet a et ouais depuis éliminer Jovenel la vrai Pascal nèg yo occuper tout espace public yo Pascal de toute de manière illégale yo contrôler tout espace là et après 33 mois même yo même n'a encore décidé pour yo utiliser ou barre les CARICOM yo caché dans un téléphone yo dit a mettre 9 yo 9 le président oligarque là tout glisser col la mi-temps connait comment ça passé Pascal depuis yo là. Il y a tout, il y a mon qui était là. Après 22 mois, il doit faire. Parce qu'elle me garantit tout. Il y a peut-être une discussion à la dernière minute entre eux. Puis elle fait 3 ans encore, capable de 5 ans encore. C'est-à-dire qu'on a fait n'importe 7 ans. Ou bien 8 avec volo, ça y est là, Pascal. Si qu'on pas fait les manchettes tout comme peuple pour résoudre le problème. Parce que Pascal, il n'y a pas de chance du tout. Dans le pays, il n'y a pas de monde. Franchement. Non, c'est tolérance qui fait. Tolérance. Nous, il faut écouter nous là. Parce que, regardez, citoyens. Haïtien ou bon comportement la caillou, les nègres prennent espace les pouvoirs publics d'assaut qui n'ont pas pris de l'année parce que son groupe nègre, bon, c'est carré comme qui météo, debout dans les c'est carré comme qui météo, bon, il y a là pour travailler pour carré comme. Il va travailler pour, il va pour météo. Et l'autre des carré comme qui météo, c'est États-Unis qui met des outils là. Exactement. Il y a travaillé pour météo. Il y a travaillé pour météo. Pas gagné ou elle fait pour pays là. Mais bon côté citoyen, il ne pas reconnaître. Et l'on parle de on est qui occupé ou bon femme qui occupe en fonction dans l'État. Premièrement, il faut gagner mandat. Mandat, voilà. Mm-hmm. Et faut le dire, il faut que l'illégal. Justement. Bon, illégal ça y est là. Qui l'a gagné. C'est un coup de bouc sans code. Qui a pompé là. Si ce n'est pas la population qui fait ça, qu'on est gonflé, venir pour stopper. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire que nous avons un pile dedans. Non, nous avons un problème. Et on a un bagage haïtien de connaît. Ces derniers temps-là, et sous l'île à la côté, il était la guette, il y a le cachet là, le bail là, difficile pour eux. Ou Abinadel tellement panant, ça veut dire. Lui dit, même pas faire avec la caille, même pas cousin de transit.
Oui, il va là. Avec nous, on parle de vous, mais vous résoudre la question de sécurité. Avec nous, pas qu'à prendre avion là, ou à chercher une par avion là, la caille, la caille, la guette. Il va d'accord. Il va d'accord. Même d'accord avec. D'accord avec. Moi-même, on ne peut pas dire la logique, les Dominicains ont assassiné Haïtien le bois. Non. Mais depuis, cette question migratoire est réglée. Ça, c'est Yonan Douaïo. Personne n'a pas qu'à couper. Yonan Douaïo. Yonan Douaïo. Yonan Douaïo, parce que nous. Abinader n'a pas travaillé pour Haïtien. Ce n'est pas Haïtien qui a le mandat. Et ce n'est pas comme citoyen Haïtien qui a le mandat. Exactement. Peut-être Dominicain n'est pas vraiment raciste. Non, c'est tout son goût ultra-nationaliste. Ultra-nationaliste, justement. Si on est vraiment raciste, en pipioté, t'as mis ta Haïtien de yon. Parce que pour quand tu es Haïtien, jusqu'à présent, la club, bon, en République Dominicaine. Pascal, mon cher. Vous comptez arriver l'hôpital la caillou et était parce que saturé dominicaine yo kaka joine côté puis accoucher déjà ici là dans l'hôtel là voilà garçon ça intolérable Pascal mon cher on va pas tolérer ça et en garde là yo sont voté yo voté Abinader et Abinader lui-même il gon rien pour comporter face avec et la Dominicaine exactement bah ouais mais question ferme frontière et Abinader là on va voir bagarre là c'est comment c'est compliqué pour non mais lui ouvre frontière pour ouvrir là c'est pas pour nous l'ouvrir c'est pression dominicaine parce qu'on est dominicain lui même c'est là où fait cobio exactement ils vivent en côté le marché dominicain bagarre il va 40 et gros producteur t'a prend coup et monde qui vivent et des questions et bah ça le matériel de construction parce que bon gens nous ça depuis où est frontière fermée gagner chômage dans la banque justement le fond bouclier ils font lever bouclier dans des gonni les couvrir frontière parce que il était menacé intérêt et dominicain effectivement mais la caille pas non Ariel Henry qui était menacé intérêt nous travaille dans complot avec Abinader dit oui il a craser canal qu'a fait yon bagay qu'a utile tout ton pays mais il va jouer une médaille et tellement complot avec ça qu'a fait complot avec Dominique yo ou te connait c'est Major Michel avec André Michel sans toute qualité qu'a négocier avec ambassadeur non non pays. Comment vraiment des Dominicains qui respectent nous tous? C'est respectant, mon cher. Qui ça, André Michel lié? Nous pas décider pour nous faire pays. Et puis, quand l'autre pays décide de mettre l'autre la caillou, j'en ai pas nous. Bon, on regarde aujourd'hui là, bon, barrière qui sépare, fonctionne avec Saint-Domingue, au niveau de la bonne. Et wana men d'abon papa y pa bon panou a terre mais ça pas dit nous vous ça pas dit nous non ni chou ni frère ça pas frété orgueil nous on a dit mon cher nous pas être l'aide et c'est même gens tout haïtien c'est en pile nan yo pas gay orgueil yo ta gardé comment dominicain y a avancé en plus ta coup de sang on a dit bon on décide faire mais au lieu faire ça on pourrait au plus faire commande dans pays à al point al investir comme ça en République dominicaine. Bon, on regarde la question et cartouche chaque ministre qui va entrer dans pays. Tout le monde connaît ne qui te passe dans tête l'état. Je te prends décision pour dériver là, l'ont décidé et de manière illégale. On va qui pas garder avec constitution parce que le point constitution pays à reconnaître force l'armée d'Haïti. Tant pis, nèg la levon bonjour matin pour koli. Il prend petit papier ici on bagay li dou, il démobilise. Il démobilise. Et on est arrivé. Oui, et puis le prend matériel l'autre venir encore. Il vend matériel le met sous lit. Oui. Pas que personne qui veut jamais poser le question comme si l'style dans pays oui. L'style ça c'est grave mettre là. On pas facile mettre là. On pas facile Pascal. Vous comprennent? Nèg a campé, on juge décider pour le faire mandat pour arrêter ton président en fonction. Quel con est qui illégal? Et puis, il décide de faire. Qui est-ce qu'il compte? Qui est-ce qu'il veut faire? Pierre Espérance. Qui est-ce que Pierre Espérance? On est qui dit qu'il défend le droit de l'homme. Il y a tout le pays qui a gagné, Pascal. Président était là, assassinez-vous. Président, assassinez-vous, oui. Comme si tout le monde est normal.
Pascal, pendant une question, ça ou l'organisation doit mounir. Tout autant, ces modèles organisation doit mounir, ça ou qui n'y nous fait carré que vous même avec qui sortent de nous les partis politiques là. En fait, organisation doit mounir, qu'est-ce qui va au corps pour fonctionner? C'est des groupes mafieux au niveau international là. Soit job yon ba yon fè, ou ki job, job kaze ki, soit regarde local, ki loge, organisation ba moun da, mwen de pikote yon kom sa, se ba l'état haïtien ki ba yon kob la. Se kob ki soti dan de goup mafye, a l'échelle internationale, avec kob ou liga kob. L'état pa gen, pou pose ti vole le PSP, c'est la grosse question. Yon pan, ou est soube de ce pays la, pou ni décision ou pa la. C'est on dit sous toutes sortes de rues l'organisation roi mounio avec toute particule politique automatique des débats dans l'église des débats dans l'église non mais qui pourquoi j'ai mal l'élection même pour bon avec ou bien les bons grands députés qu'on a et n'a pas le mandat mais peut-être pas jamais qu'on a le bayo on n'a pas ça mandat et bien les dissout automatique c'est clair c'est quand ça ça oui. Question ti groupuscule ça yo ti business ça yo ki nèg yo gen nan men yo ki lè ou vini ou konnen blanc d'accord avec yo et puis ou konnen bay blanc bon service ça avec yo jida et c'est ça que fait yo pè question révolution yo pè mo ça yo pè mo ça même c'est ça ou nan pile nan yo là y a mai moun l'école yo là y a préparé là pour y a gagouté l'argent mais commencer dans pile frustration dans mitan yo gede nèg la qui pensait que t'as pas raflé que pas raflé aïe monsieur parce que bagaille la ça ou te pense Jean bagaille la pral vini parce que l'on connait tant pour Jean Charles c'est trois cas pouvoir de besoin trois cas pouvoir oh non nèg ça grand manger mais pourquoi j'ai monté non volo pour ça yo ne monte monsieur volo bœuf mais c'est que volo c'est que la tête volo bœuf fou tout bon parce que c'est le volo en pile comme le vol. Mais il y a préparé pour le tout parce que on entend la continuer dire c'est pig vous mato man. Li on bail ou bien mais bail pas aussi facile pour. Quoi qui t'a utilisé et non papa nation. Qui t'a utilisé et pour drapeau pays. Drapeau noir et rouge drapeau intérieur pour régler appel parce que il y a comme ça. A fait personnel. Y a pas de tolérer ou bien qu'on dit groupe cette cité cap bad bravo oui ça moi même honnêtement mais les fait bagay qui les partis politiques qui a été côté bal côté non parti qui dessaline depuis la façon activité de pas aucun pays a accepté non ça veut dire propre et pas et photo papa nation qui avec non li pour monter un bagay un parti politique ou dit c'est parti qui dit Desalines. Et ces derniers temps là nous Desalines prend beaucoup dans mes faux petites ça. Il a dit drapeau noir et rouge à terre. Il a dit la tête. Il a dit à bloué. Et Moïse pas jambe de gauche. Et donc il me dit Moïse de gauche, oui, Moïse son droite et gauche. Non, son droite et gauche. Il n'est pas en place. Il son droite et gauche. Démagogue doit de gauche, c'est démagogue. Ils profitent de ignorance, animation, venir avec des vieux discours populistes, en plus de la faire personnelle. Pour la faire personnelle, oui. Il passe là-dedans, il riche là-dedans. Il fait toute petite fille comme si on a joué, à vivre bien là-dedans. Parce qu'on ne prend pas tout le monde pour imbécile. Je suis avec André Michel. Mm-hmm. André Michel, pas que j'aime battre ou bien l'école pour tout le monde dans le pays. Du tout. Sous qui ça, André Michel, est campé? Pour te faire démagogie d'affaire. Il était campé sous ignorance. Mounio. Si vous petit garçon l'avez utilisé pour la population, même genre, il faut que tu ne comprennes pas. C'est ça, oui. Pour la population comprendre, c'est que ça n'a pas un intérêt. Il faut que, ouais, même militant, ça a eu le militant qui va côté ou bien ouvrier politique à faire avec. Il n'y a pas de gens qui ont changé de condition de la vie. Du tout, du tout. Vous connaissez, si vous changez de condition de la vie, il n'y a pas de cas, il n'y a puis utiliser à des fins politiques politiciennes malheureusement tout ça que les têtes militaires ça que les têtes militaires al boulet des camions mounio
Ça que l'état de militant, tout Pascal, pas jamais capable de comprendre comme si on est italien. Ou fait 5 ans militant, 10 ans militant, ou toujours dans le même niveau militant, derrière le même leader. Et puis, c'est wow. Mais comment ça sorti même, yo-même? Au préfet, justement. Parce que ça, sont dans les militants ou bien ouvriers politiques là. C'est des utilisés qui ont. C'est des pions. Il y a des pions à déplacer ou les ouvriers. Oui, avec soi. Mais les qui doivent de gauche là, oui. C'est grave. Oui. C'est des nègres qui c'est exploité qui ont. Exploité, justement. Pas de doute dans ça. Il y a exploité jeunes garçons, jeunes femmes dans le pays. C'est ça que nous avons fait. Logado ouais, yo pas crainte, logado là des photos petites sur les réseaux sociaux, en petite pour la mini même, il a empêché l'école pour accepter ça pour lui. Ou accepter le ou vivre avec les avocats. Son violence systématique qui a fait sur population. Justement, c'est ça, c'est ça. Et bien, population, nous ça qui a fait violence sur nous. Yo nous répondu par la violence. Automatiquement, pas de doute dans ça non mettre là. Pas de doute dans ça non. Vous comprenez? Pas de doute dans ça, c'est ce qui était ça là. C'est un problème, non? Automatique. Pour te compléter, il faut gagner des politiciens qui mettent devant sa roue bien-être population. Tout le monde qui fait politique propre, là, vraie politique, là, pour les bagailles où viser, c'est bien-être population. Bien-être population, c'est bien. Ça. La politique, c'est ça, Pascal. Ou pas capable de pouvoir, parce que nous vivons mal. Pour être capable de défendre l'intérêt mesquin, il la cause une quantité de monde abdomen sur place publique. Dans l'appli, on l'appli là qui a tombé sur le pays. Bon, ça là, qui est politicien traditionnel, qui a donc la collègue qui a dormi sous place publique. Là, on a aussi avec petit bébé, grand monde. C'est dans l'appli, il a sous toute place, non. Et dans les organes, tout le monde. C'est le monde qui a été réélu, récampé contre les politiciens traditionnels de la Canada. Et pour nous construire l'autre classe politique avec des gens qui veulent les pays, des gens qui ont vision pays, des gens qui sont nationalistes. Et tout ça, et tout autant que nous là Pascal pas une décision qui prend et réellement avec monsieur ça avec monsieur dame ça qui dans politique dans pays nous pas sortir là maintenant Pascal pour conclure en nous tout et comment comprendre démarche monsieur terroriste parce que nous même nous pas carré au bandi honnêtement avec monsieur opposé c'est des terroristes qui n'est qu'à presser commissariat Pascal et nego oui dans affaire yo parce que l'endé qu'on a parlé on était qu'on dit yo fait back changer vous amenez, vous là, vous êtes, mon qui te baille là, mais c'est pas ça qui vous choisi, c'est, vous choisi pour observer politiciens, collègues, tête en bas. Eh bien, les gens qui ont fait ces derniers temps, et pas de bois. Eh bien, pendant et nèg ki nan créé présidentiel yo créé présidentiel là avec nèg ki fait partie équipe Ariel là y a décaissé l'argent mais faut qu'on est là gè plan macabre k'ap pare sou pays là nèg ki gen zam yo pa jamais battre dans cimetière pour quoi yo il va aller mais moi pa wè ça ou pa le faire là non Pascal route moi vite l'homme là route moi vite l'homme là vite l'homme pour aller sans Michel oui. On les a conduits tellement qu'ils t'en comprennent. Non, il n'y a pas besoin de se déclarer. Oui, il y a des gens qui sont dans la population civile qui veulent décider de courir pour la province.
Et bien, ça, le roi, là, on est dans, il y a bon flou. Ah, Pascal, moi, je ne sais pas. Moi, c'est pas jour d'y appuyer ou ouais politicien ou pas de bon. C'est pas jour d'y appuyer ou ouais oligarque ou pas de bon. Yo bozam, ou grand zam nan ou touye moun avèl nan pays à 5 ans, ou kidnappe moun ou riche. Ça veut dire, mouvement est bon pour nous? Non, et bon bagay m'de toujours dit, si nèg sa ote choisi fè la paix à population, c'est pas vrai, la population, laisse an tap ouais ou tap menon bataille pour combat ni politicien ni oligarque. Effectivement. Il va faire la paix. Il va faire la paix à la population. Il était toujours en guerre. Il était toujours en guerre et contre la population. Et jusqu'à présent, c'est une population en guerre. Et, bon, je veux dire là, il est Et ça doit être un exemple pour toute l'autre cabine d'air. Parce que même quand on a parlé de il faut que nous éliminions et monsieur dame politique, parce qu'il ne faut que pas là. Il ne faut pas là. Mais tout, il faut des exemples qui tracent sur tout. Il finit attaqué nèg atapata qu'on a fait nèg qui dans l'état qui a fait coach là attaqué le marché prend c'est clair question corruption vol dans la trésor public là il pour beaucoup le créer ça là aïe bordel corruption dans la douane corruption tout côté et même la police nationale là qui vient sur la bagarre là c'est la question nèg a fait corruption dans l'état dès que c'est des gros sacs l'argent à bail policier côté bail nèg nan base on a mon côté nèg nan base policier habitué une côté bail policier faut bouger cette question corruption question la facile et y en a mon qui initie question la facile là nan dit toujours dirige maître oui je m'attends à Sid corrompu ça question l'échec échec zombie chef mort autant d'on nèg il pas prendre rien dans téléco tapi la toucher chaque week-end. Gede nèg la nan la police, la touche chaque police, api il pa prèglan yen nan APN, ou tande la touche chaque man APN. Felite ou Yvan? Api s'entende a, monsieur bandi légal yo, et. Yo fè ça? Fè ça, oui, parce que. Dès que m'entre nan question la, j'en facile. Ou pa ou même politicien, bon, j'en fè avec militant. Li bay militant kobla, parce que konne militant, bon kote, yo la ge kobla te. Yo pa j'en fè nèg soi-disant que les militants, monte des projets entre yo. En plus, vous venez vestir, vous qui ça le fait comme activité pour le vivre. C'est ça fait là. Et nous prenons plus de la clé. En pile, oui. Il faut déjà qu'on apprenne de la clé parce qu'il faut construire. Pour construire une nouvelle classe politique là, il faut construire des entreprises, des gens qui travaillent, des businessmen qui ont des problèmes, qui ont des cash qui ont des monnaie. Effectivement. Oui, parce que c'est ça la bataille qui est en. Et tout le monde met les mains pour mener la bataille. De toute façon, il faut que nous capions la bataille. Mais Pascal, qu'est-ce que là ou qu'est-ce que nous informer ça qui a passé. D'accord? Nous sommes contents de gagner. Voilà, merci un peu. Ensemble avec nous, c'était Pascal. Depuis en Haïti, nous avons fait parler sous situation qui a développé et en dedans pays. Voilà, maintenant, ça qui gagne, un ami qui voyait une intervention de Johnny Ferdinand pour moi. Il me dit, l'important, je m'attendais. Il faut m'attendre Johnny. Et faut me dire de Johnny Ferdinand. En outre de Johnny Ferdinand de la radio et télévision Caraïbes ensemble avec moi qui gèle gouti et gouba avec l'envie dit ça c'est Johnny Ferdinand gouba avec l'envie dit Johnny Ferdinand ou
te vin nan réseau avant hier, ou fait ti live ou. Vini, vin fait ti live ou, vini là. La tout ka y pap ki to dis tout sovi di non Johnny. Ta pa compagnie oui bode. Ta pa compagnie oui. Et comprenn? Na pa compagnie ou. Supo na pa compagnie ou. Yo a bien encadré bode, yo a bien entouré, on flanoyé. On flanoye, a fait panouye, génération panouye, m'ga en dessous, wap de bonne main. Pas bien peur. La jeunesse Bokoto, ou Bokose genouye, ou Bweti Gwogou, nous même si nous pas bwèl, la bwèl de l'on samavou. Ça veut dire que, rassure que, vide les lieux, nous m'en ap organise l'on samavou. Et wap confortable, ils en mime. Et puis, de boukampé beaucoup de peuple là. Et beaucoup de peuple là, boukampé seulement. Hein? On a le temps de Johnny Ferdinand qui t'a fronti parler. Et ça qui a passé en dedans coulève cette tête là. Parce que, pas oublier, yo fait Johnny fait promotion pour coulève cette tête là en pile. C'est Patrick Monsia qui fait le fel. Et tout le monde connaît. Johnny fait dans l'éclair. C'est Patrick Monsia qui met tout dans la situation. Hein. Mais on a envie de parler, je sens qu'on a envie de parler. Border. Et moi, en pile, jeune garçon qui a capacité, monsieur. On va acter le gaspiller. Non, moi, même si en pile, ou papa, ou fou. Et, mais, connaît. Pour qu'il y ait patron en Haïti, parole comme ça dans bouche, papa, ou le pauvre, et papa, c'est un capitaine dans le cœur. En fait, c'est Johnny. Et pas qu'il y ait vu comment pour nous. Pas quitter vieux commentaire, pas dire n'importe bagaille en bas déclaration Johnny pour nous. T'as pris s'il vous plaît. Qu'on nous appel. On avance. Oui, ministre là, il y a l'argent qui a baillé pas sac là. Ah oui. Il y a l'argent qui a baillé là. Parce que, nous avons expliqué ça, il y a des nègres dans le secteur privé haïtien qui ont positionné par rapport à monde qui dans course là. Il y a regardé qui est sur pensé qui plus qu'à garantir intérêt au passé l'autre et yo gen tan mete moyen à la disposition moun sa yo et moun sa yo yo di yo mettre tête frette et c'est moun qui gen comme yo konya k'ap parler avec parti politique yo pour yo capable yo même négocier et puis di représentant yo en de conseil là mais comment vous voter dans 4 choix premier ministre c'est ça k'ap parler là gay et gen direct tout nan course là qui commençait à mettre l'argent dehors pour faire des secteurs faire bruit pour yo. Pour dire c'est yo qui endosse yo. Pendant un pays a bloqué là, pendant un pays a eu tout problème là, pendant un nèg examen yo fin déchaîné au niveau de rentrée sud, région métropolitaine là, notamment au niveau Gressier, avec zone qui sous côté yo. Pendant une bataille qui te gagné Front National là, côté. Monsieur Boyd était presque abandonné, tellement bandit envahi. Pendant une tentative d'attaque faite sous Moun Solino, nous avons gros l'argent qui a boissé là dans le processus de salarié. Ça n'a pas intéressé. Il y a l'argent qui a baillé par sac là. Dans le processus de désignation pour le ministre ou bien prochain pour le ministre là. L'homme me dit que ça, c'est même pratique, même pratique parlement. Je ne sais pas de qui ça m'a parlé. Des députés à offrir ceci, à offrir cela. Pour voter en faveur ou bien pour voter contre, des huit clos qu'on prend pour faire des offres, de l'argent qu'on débarqué dans le fourgon, l'argent cash qu'on débarqué dans derrière, tête bœuf, etc. Eh et bien, on va faire comme ça, tout le monde fait là, dans le processus là. Vous comprenez son blague? Et tout dit nous ça. Tout dit nous ça. Nèg ak fam qui c'est des leaders, entre guillemets, politiques. Des dirigeants de partis politiques qui a fait coup de maltaï avec nèg dans le secteur privé. Soit l'un a choisi le président, ou bien l'un pour choisir le premier ministre. Là. A pris gros l'argent. Il y a nous qui a négocié caille. Il y a nous qui a même acheté caille. Veillez pour sacrifier Garibaldi pour arriver. Non. Parce que blanc sont en bout de moudalier. Ou elle est au sectionné Garibaldi. Ou elle qui a été allé dans l'explication. Il y aura une séance. Yo dit, mais l'argent que tu bailles, et c'est Garibaldi qui a une responsabilité pour débattre l'argent, mais qui a si débattre comme là, mais comment comme là tu es séparé? Donc veillez. Pour l'instant, beaucoup dit toi. Mais dis nous attention. Parce que puis devant, nous avons saisi ou blanc qui a fait gagot, nous avons fait brigandaille non. Comme il y a intérêt là-dedans, il a quitté le passé. Mais le jour où il n'a pas besoin nous, ou bien il n'a pas servir avec nous encore, pas étonné nous qu'il râle ça pour nous. Nous dit nous veillez simplement. Je dis à moi. Voilà. Et Johnny Ferdinand fait intervention ça, c'est suite avec information qu'il gagne, même si ok. Johnny, il dit, mais tel bail, dis-le. Ou pas fin pour compte. Ou pas fin pour compte. Et naturellement, nous t'avons fait une vraie bataille. Une vraie bataille pour que nous t'avons permettre que
pays en ta sorti dans situation difficile que le trouver là. Mais pas oublier, l'on passe tout le temps derrière un micro pendant environ 2 mois à faire promotion pour un groupe nèg avec femme qui va bénéficier un petit crasse légitimité bon côté population. Ou va encourager dans toute bagaille net pour rentrer pays là mais l'on arrive dans niveau. Ou connaît ces coquins ou te connaît ces coquins mais au fini là même combat qui toujours fait par exemple premier ministre Canada te dit bah oui Justin Trudeau c'est dit comme ça que système bon système qui contrôlé par 10 nèg dans pays d'Haïti élite yo font façon yo aider yo met ton gouvernement là met gouvernement yo tout met ton groupe nèg à persécuter gouvernement craser briser jusqu'à ce que yo retire les peuple tout met ton l'autre encore mais comment nèg yo fait avec la presse yo fait yo mettez la presse là pour aider au mettre gouvernement et puis même là parce qu'il dans même micro avec même bouche qui t'a encouragé mettre groupe voleur c'est même lui-même qui a commencé à dénoncer même voleur pendant il te connaissait voleur mais c'est stratégie en ça mais on te comprend non mais espérer que Johnny Ferdinand pas venir rigi tête en véritable et moun sale même avec vagabond sale ancien yo ou son jeune blas garçon koyé gagne pile avenir gagne pile bagarre café pas quitter nèg manipuler pour finir avec carrière comme jeune garçon sur même métier ou ka faire bien ou ka vivre bien nous devoir faire. Et bien, depuis, ce n'est pas mon cap guide pour faire, je garantis que vous faites très très bien et pour fonctionner très très bien là-dedans. Johnny Ferdinand, moi, je suis en pile. Et c'est des messages pas beau. Je ne vais pas parler plus de ça parce que de ce coup-là, cette tête, c'est pas quelque chose qui m'intéresse à parler de lui ou bien quitter mon parler de lui et de moi. Ça va intéresser moi. Sauf que je me dis que tout nèg avec femme qui te fait promotion pour groupe malpropre, ça, groupe volé, ça, qui ont assumé responsabilité. Yo. Tout ça qui a passé, tout ça qui a passé, tout ça que nous avons fait comme gagote dans l'État, ou endossé, ou gagne responsabilité là-dedans. Et m'a cité nous chaque jour, parce que nous n'avons pas oublié nous. Tout le monde compte qui média, qui journaliste, dans qui micro, qui le, nous avons fait toute émission pour nous encourager groupe voler ça. Ça veut dire que assumé responsabilité nous. Mais j'espère que tout le monde comprenne, moi je ne pour pas personne, sauf que je ne vais voler, qui a pris une décision pour détruire le pays ça plus davantage. Bonne vacabon. Que bon Dieu bénisse chaque grand nous qui toujours continue à supporter l'émission ça pour que nous gardions comment travailler les pays ça sortir dans sa culture là. N'a pas continuer une bataille là parce que c'est dans lutte ça et que Haïti est capable sortir dans sa culture là. Mais m'a dit nous ca sortir là. N'a pas sortir avec des moun qui ont caractère. Le petit pays a décidé prendre courage les à deux bras. Jean que jeune capitaine Ibrahim Traoré fell à Burkina Faso. Côté que vous prenez engagement. Yo mette un groupe konze en dans pays a deyò yo prend pour l'état à travers l'état qu'on a faire réforme une vraie révolution sans pareil yo pas entendre personne nèg on micro qu'on a parlé c'est pour une fête diversion yo traqué ou OK on voit yo ce système n'a défendre yo traqué ou et c'est parole ça yo que ou même comme jeune garçon ou doit entendre tout temps pour capable comprendre dans quel niveau que doit prendre sa habité ou comme Guy Philippe. Ma passe cette vidéo ça pour vous, avec tout autre combattant qui t'a remis accompagné dans cette bataille là. Capitaine Ibrahim Traoré, moi nous en pile au peuple haïtien. Camarades, je souhaiterais donc qu'on puisse rendre grâce à Dieu, un jeune garçon, qui nous a montré ce jour et qui nous a permis de nous retrouver ici. Rendons hommage à nos FDS et nos vaillants VDP qui se battent au front et c'est grâce à eux que nous pouvons nous retrouver ici pour communier. Rendons aussi hommage à vous, ceux-là qu'on a baptisés les Waïa, qui veillent jour et nuit. Vous qui veillez sur cette transition, vous qui veillez sur l'itinéraire que nous avons tracé. Merci beaucoup à vous. Remercions ici donc nos autorités coutumières et religieuses qui ne ménagent aucun effort pour nous accompagner pour la mobilisation des jeunes à être engagés donc au sein des VDP qui aident les FDS sur le terrain. Merci beaucoup à tous d'être là. Nous ne pouvons pas faire une révolution sans communiquer. Certains diront qu'il ne faut pas trop parler. Mais lorsqu'on ne parle pas, c'est la manipulation qui prend le terrain.
comprenez quelque chose. Le père de la Révolution communiquait beaucoup. Je parle ici de Thomas Sankara. Dans l'un de ses propos, il vous disait ceci. L'impérialisme est un mauvais élève. Lorsqu'il est chassé de la classe, il revient toujours. Et je me souviens qu'à son adresse, à ses compères donc de la CEDEAO, il disait que pour rompre le cordon ombilical qui nous lie à l'impérialisme, n'allez pas chercher une maïticienne d'État avec des doigts futés et un ciseau bien aiguisé pour rompre ce cordon. Mais plutôt, il vous faudra un bûcheron robuste avec une hache bien aiguisée pour donner un coup sec et rompre le cordon. Cela veut tout dire. Je m'en vais vous expliquer un peu comment est-ce que l'impérialisme se comporte. Après l'assassinat du père de la Révolution, justement, le régime qu'avait voulu l'impérialisme s'est installé. Dans les années 90, vous vous souvenez tous d'un programme qui nous a été imposé, le programme d'ajustement structurel. C'était qu'un plan. Je vous explique. En mettant en place ce programme dans nos contrées, vous avez remarqué au fil des deux décennies qui ont suivi, toutes nos usines qui étaient en place ont été privatisées. Notre économie a été déstructurée. Ils ont mis en place un système néocolonial, un système de capitalisme sauvage qui ne profite qu'aux dirigeants et leurs amis, un cercle restreint. Du côté des forces, ils ont tout fait pour déstructurer nos armées. Ils ont dit de baisser le budget des armées, de ne plus les équiper, de ne plus s'entraîner. Ce qui a été fait dans la sous-région. Nos armées ont été réduites en néant. Ils préparaient la chose. Pendant ce temps, les grands pays comme le Niger, le Mali ont connu une résurgence de ce qu'ils ont appelé des rébellions. Des séparatistes venus de nulle part ont tenté de diviser ces pays. Ils n'ont pas réussi. Mais l'aboutissement de leur plan était qu'à partir des années 2010, c'est-à-dire 20 ans plus tard, que le terrorisme s'invite dans nos terroirs. Effectivement, on l'a vu naître 20 ans plus tard. Des individus ont été choisis et on leur disait juste « Allez-y les combattre, leurs armées sont déstructurées, nous avons travaillé à ce que cela arrive. Ils ne pourront jamais vous arrêter et vous allez les imposer ce que nous voulons. » Ces individus ont recruté de jeunes innocents, ignorants, dans nos différentes campagnes, à qui ils injectent la drogue et les amènent à tuer leurs compatriotes. Et le mal est né. Comment est-ce que ces individus ont été entretenus? N'oubliez pas, ici au Burkina Faso, on hébergeait des chefs terroristes. Ça a été bien planifié. Et comment y arriver? Lorsque ces terroristes vont se lancer, il y avait quelqu'un qui pourrait peut-être intervenir à la faveur de nos États. Je nomme ici le feu général Muammar Kadhafi. Il fallait l'éliminer. Et un beau jour, ils sont tombés sur lui. Ils l'ont éliminé. Ils ont encore eu dans ce plan l'ingénieuse idée de mettre toutes les sources d'armement et de munitions à la disposition de ces terroristes qui devaient donc déstructurer notre sous-région. Le plan était parfait. Et dès lors,
ils se sont mis en ordre de bataille. Ils ont commencé à descendre vers le sud. Nous nous souvenons encore, lorsque le régime en place à Bamako en son temps a fait appel donc à des forces étrangères. Il ne fallait pas plus que quelques heures qu'ils se déploient. C'était bien préparé. Ils se sont déployés et ils ont fait semblant d'arrêter le terrorisme. Et immédiatement, nous avons vu l'installation de plusieurs forces étrangères au Mali pendant 10 années. Pendant ces 10 années où le terrorisme était contenu au nord, s'est invité au sud et le Burkina Faso a été infesté à partir de 2015. Tout était bien planifié et bien pensé. Je me souviens encore quand nous étions à Beir, au nord de Tombouctou. On voyait donc des forces spéciales de ces pays-là venir nous dépasser, aller plus en profondeur. Et à leur retour, ils étaient tout rouges. Ils ont des petites machines de foreuse et bien d'autres équipements de géologie que nous contemplons. On se demandait où est-ce qu'ils gagnaient cette terre rouge, parce qu'en patrouillant autour de Beir, nous n'avons pas de terre rouge. Peut-être qu'ils creusaient, ils sondaient, nous ne savons pas de quoi il s'agit. Le ciel malien n'appartenait plus aux Maliens. Tout était bien pensé. Lorsque des gens qui combattaient sur le terrain ont fait aussi le constat, ont décidé à un moment donné de prendre les responsabilités et les voilà sortis de nulle part. On nous traite de putschistes. Nous ne sommes pas français, nous ne comprenons pas ce que ça veut dire. Et les valets locaux, qui sûrement ne comprennent même pas le sens profond du mot, nous appellent aussi putschistes. Très bien, on se l'approprie. Au fil de ces années, pour ce qui concerne le Burkina Faso, vous avez dû remarquer, tous les corps ont été déstructurés. Plus d'entraînement, plus rien pour l'armée. Ils ont imposé dans tous nos états-majors, toutes nos écoles et toutes nos structures stratégiques, ce qu'ils ont appelé des conseils militaires. Lorsque nous nous sommes révoltés le 30 septembre 2022, la première des choses était de chercher à savoir qui sont ces conseillers militaires et où ils étaient. Nous avons donc pu identifier que le mal est profond. Et la première des choses était de leur demander de quitter notre armée. Ils sont partis. Et ce que je vous disais il n'y a pas longtemps, vous ne pouvez pas espérer retrouver votre objet perdu en faisant appel à celui qui vous l'a volé de venir vous aider à le chercher. Exactement. Il fallait dès lors décider, prendre des décisions courageuses. Ce que nous avons décidé de faire, ça n'a pas été sans conséquence. Parce que lorsque nous avons déjà demandé aux conseillers de partir, nous avons senti des manifestations. On nous a fait comprendre qu'on ne pourra pas s'en sortir sans eux. Et à chaque fois qu'ils nous le disaient, ça s'est traduit par des attaques d'envergure sur le terrain. Nous avons bien reçu le message. Lorsqu'à l'orée donc de l'année 2023, nous avons décidé de dire donc aux forces étrangères présentes ici de partir, oui, parce que nous voulons lutter en Burkinabé. Très bien. Ils ne l'ont pas sûrement apprécié. Mais pourquoi venir mourir sur nos terres pour nous? Nous préférons combattre nous-mêmes. Nous avons demandé à ce qu'ils retournent chez eux. Malheureusement, je vous le dis ici aujourd'hui, comme j'aime le dire, la colonisation est rentrée. Il y a des esclaves de salon qui n'ont toujours pas compris. En son temps, des officiers militaires
nous ont écrit et nous ont approchés pour nous dire que c'était une très mauvaise décision et que nous n'allons pas tenir 2 mois. Des fiches ont été écrites. On nous a transmis ces fiches pour nous faire une analyse stratégique de leurs pensées. Nous avons dit, c'est soit nous sommes souverains ou nous restons esclaves à jamais. Bravo. Effectivement. Ça, c'est patriote. Lorsque le dernier soldat a quitté le Burkina Faso, nous avons compris de quoi est-ce qu'il s'agissait. Les attaques se sont enchaînées immédiatement. Deou, Tinakoff, Partiaga, ainsi de suite. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que le peuple du Burkina Faso avait compris notre message et s'était engagé sur la même voie que nous. Nous nous sommes réorganisés rapidement et subitement, nous avons constaté que toutes les cellules dormantes terroristes se sont réveillées au Burkina Faso. On a réorganisé l'armée au plus vite, à une vitesse inégalée. Nous avons créé plusieurs unités et même si plusieurs autres sont à venir, nous les avons équipées et aujourd'hui, cet équipement se poursuit parce que dans les jours à venir, les mois à venir, ce que vous allez voir venir au Burkina Faso doit faire de notre armée une puissance à créer. Nous n'allons pas lésiner sur les moyens. Nous avons compris que le combat qui est engagé contre l'impérialisme sera dur, très dur. Mais seuls les durs vont passer et les Burkinabés sont des durs. Et nous allons passer. C'est pour vous dire que l'impérialisme a tout son temps. Lorsqu'il veut déstabiliser, il regarde dans l'immédiat. Si ce n'est pas possible, il pose les jalons pour le faire dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais il n'a aucun intérêt à ce que nous, nous soyons indépendants. Aujourd'hui, tout ce qu'ils souhaitent pour le Burkina Faso, c'est le chaos. Parce qu'ils espèrent faire venir ces forces étrangères ici et espérer récupérer la situation dans 10 ans, même dans 20 ans. Mais nous ne les laisserons jamais parvenir à cet objectif. Voilà pourquoi nous avons mis en garde pendant plus d'un an les valets locaux, les esclaves de salon, pour qu'ils ne trahissent pas leur patrie au profit de l'impérialisme. Certains ont compris, se sont rangés. D'autres n'ont pas compris, peut-être se croyant plus malins. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus de sentiments sur ce volet. Quiconque va trahir sa patrie au profit de l'impérialisme, il sera traité comme tel. Comme tel, justement. C'est ça. Revenons à notre fameuse CEDEAO. Depuis que nous avons décidé de quitter la CEDEAO, les esclaves de salon ont été actionnés partout. Ils veulent faire peur au peuple. Ils veulent faire peur à tout le monde. Dieu merci. Dans un passé récent, il n'y avait qu'une poignée de gens qui avaient droit à la parole. Sur les plateaux télé, c'est ce qu'ils se disaient, qui étaient donc prêts pour l'évangile. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, qui ont bien sûr des avantages et des inconvénients, tout le monde a droit à la parole. Et je pense que les Waïa sont les premiers à confirmer cela. Waïa. Chacun,
Chacun peut faire son analyse sur une situation. On peut certes se tromper, mais lorsqu'on vient vers nous pour comprendre, nous sommes bien ouverts pour vous expliquer les démarches. Ici, nous allons vous expliquer pourquoi nous avons quitté cette CEDEAO et vers où nous partons. Souvenez-vous que c'est en 1975 que ça a été créé. Et ça a été créé pour la majorité des chefs d'État putschistes, comme ils aiment le dire. C'était des militaires qui ont pris le pouvoir et qui ont pris les responsabilités pour créer la CEDEAO, pour qu'il y ait un véritable essor économique des peuples à l'intérieur donc, de cet espace. Plus tard, les soi-disant démocrates se sont invités donc à la tête de nos États. Ils ont vidé complètement la communauté de son fondement. Lorsque le 26 juillet, le Niger a décidé de prendre son destin en main, nous étions surpris de voir la CEDEAO apparaître de je ne sais où avec une force en attente. Où était cette force? Lorsque des milliers et des milliers de Nigériens étaient tués par les terroristes, où était cette force lorsque des milliers de Maliens et de Burkinabés mouraient sous les balles des terroristes? Ils ont dit que par la force, ils allaient déloger donc les vaillants fils du Niger qui ont pris le destin en main du pays. Croyez-vous que ce sont des femmelettes qui sont au Niger? Il y a des combattants là-bas. L'armée nigérienne est guerrière. Ils combattent depuis des années. Ce n'est pas une armée de défilé ou une armée de maintien de paix. Et les armées de l'AES ont décidé de s'unir. Nous attendons cette force en attente. Il faut que ces soi-disant démocrates le comprennent. Lorsque des milliers de Nigériens sont morts sur leur lit d'hôpital par manque d'électricité ou par manque de médicaments, c'est du crime. Ils sont responsables de ces sanctions, ils sont responsables de ces morts. La même chose se passe au Mali. Avec le Burkina, nous avons des sanctions indirectes. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Lorsqu'ils prennent leurs consignes de l'autre côté, ils viennent, ils font tout pour l'appliquer. C'est honteux. Certains ont décidé de ne pas fournir l'électricité à nos pays. Ce n'est pas gratuit, nous payons. Et ça contribue à leur économie. Ils ont essayé de faire souffrir le Mali. Et bien sûr, en faisant fi de tous les textes et de ne plus donner l'électricité au Mali, espérant que la population se révolte. Ça ne marche pas. Lorsque ça a duré, certains étaient obligés de faire payer leur propre peuple en augmentant le coût de l'électricité. Ça va encore augmenter. Cela nous donne plusieurs leçons. Plusieurs leçons en ce sens que l'indépendance que nous prenons, la souveraineté que nous prenons, nous devons tout faire pour qu'elle soit. Ils nous ont donné de très belles leçons et nous avons très bien compris. Certains ont fermé leurs ports, ce qui d'ailleurs va à l'encontre de tous les textes internationaux parce qu'on ne peut pas fermer les ports à un pays sans littoral. Ils l'ont fait, ils ont violé les textes. La communauté internationale n'a pipé mot. Personne n'a parlé dans la CEDEAO. Mais dans les ports, nous ne faisons pas transiter nos marchandises gratuitement. Nous payons.
et ceux-là qui le font récoltent aujourd'hui les pots cassés. Et je pense que c'est une leçon pour eux aussi qu'il ne faut toujours pas appliquer les consignes de leur maître. Il faut qu'ils le comprennent pour toujours. La CEDEAO n'a jamais fait un communiqué pour féliciter une victoire de nos armées. À peine, elle condamne du bout des lèvres et très rarement lorsqu'il y a des massacres. Où est cette CEDEAO des peuples? Bref, nous ne pouvons pas citer tout le mal qui a été fait à nos peuples, mais nous avons décidé en toute âme et conscience de nous retirer et de nous concentrer sur notre organisation commune qu'est l'AES. Retenez que il n'y a pas de peur, parce que en prospectant et en nous mettant au travail, nous avons remarqué une chose. Dernièrement, certains ont décidé d'interdire l'exportation de certains produits alimentaires vers le Burkina Faso. Très bien. Ils ont donné une durée. Nous ferons en sorte que, à la fin de cette durée, nous interdirons l'entrée de ces produits sur notre territoire. Nous sommes capables. Nous sommes capables et nous sommes très bien capables. Nous avons fait beaucoup d'expériences cette année et je peux vous assurer que sur le volet alimentaire, le Burkina peut être autosuffisant. Et nous avons de braves paysans. Nous mettrons tout en œuvre pour que nos paysans puissent labourer leurs terres et cultiver dignement. Et je mets au défi quiconque doute de cela que si nous décidons aujourd'hui au Burkina Faso d'être dans 3 ans ou 5 ans premier exportateur de cacao, nous le serons. Parce que nous pouvons. Sur l'industrialisation, plusieurs projets sont en cours pour 2024. Nous n'allons pas les citer ici, mais c'est sincèrement, nous allons tout faire pour que ces projets voient le jour en 2024. Lorsque vous prenez l'économie, certains, quand on les écoute, ça fait pitié. Ils n'ont même pas le courage de faire comprendre au peuple qu'il y a moins de 5% d'échanges économiques entre les États de la CEDEAO. Parce que tout ce que nous faisons venir vient de l'espace hors de la CEDEAO, nos importations pour la majorité. Et tout ce que nous exportons part hors de la CEDEAO. La malhonnêteté intellectuelle de certains font qu'ils ne peuvent pas le dire, parce qu'ils sont des esclaves de salon. Ils ne peuvent pas vous dire ça pour que vous soyez confiants. Mais je vous invite à rester confiants, sereins, imperturbables, parce que nous pouvons. Nous pouvons avoir cette indépendance tant sur le plan alimentaire, tant sur le plan industriel. C'est possible et nous sommes lancés sur ce chemin. Donc, les propos qui tendent à vous faire peur, qui tendent à semer la panique, il faut vous en départir. On se mettra au travail et nous allons y arriver. Revenons donc à un aspect général dans l'Afrique. Thomas Sankara disait que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait les illusions
sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Seule la lutte libère. Et je m'en vais vous dire, garçon, garçon, que si pour se libérer, un esclave se fait des illusions sur la providence d'une croyance que son maître lui a imposée pour le maintenir dans les ténèbres, il se fout le doigt dans l'œil. Il restera à jamais aveugle dans les ténèbres et ne verra jamais le jour. Dieu lui-même a dit, Dieu n'aime pas le paresseux. Dieu n'aime pas l'ignorant. Dieu n'aime pas celui qui ne se bat pas. Car dit-on, aide-toi et le ciel t'aidera. Et je ne passerai pas sous silence une partie du slogan donc des pionniers qui vivent aujourd'hui parmi nous. Oser lutter, savoir vaincre. Nous avons osé lutter dans l'AES et nous saurons vaincre. N'ayez aucune crainte. La veille citoyenne que vous avez engagée, c'est un message à toute l'Afrique. Et le Burkina Faso est solidaire et soutient tous les peuples d'Afrique qui souffrent le martyre. Mais nous voulons aussi dire qu'il est temps que les Africains arrêtent de s'apitoyer sur leur sort, de se morfondre, de se lamenter. Il faut lutter. Ça ne viendra pas du ciel tout seul. Il faut lutter d'abord et Dieu va vous aider. Et le Burkina Faso est prêt à aider tous les peuples qui vont mener cette lutte. Dites-leur à tous ces peuples qui se battent, il est temps qu'ils disent la vérité à leurs dirigeants. Au Burkina Faso, lorsqu'il s'est agi pour nous de contribuer donc pour que le FDS soit équipé, les députés n'ont plus de salaire aujourd'hui. Ils n'ont que des indemnités de cession. Les salaires des ministres ont été diminués au maximum et le peuple contribue. Vous ne pouvez pas lutter et vouloir que les dirigeants soient dans un luxe insultant. Les peuples doivent se réveiller et exiger cela de leurs dirigeants. Et pour terminer, je lance donc un appel à tous les peuples de l'AES, à travers vous, pour qu'ils restent unis et solidaires. Toute souffrance a une fin. La lutte que nous avons engagée est dure. Mais il faut rester la tête sur les épaules parce que l'arme fatale de l'impérialisme reste la manipulation à travers la communication. Sachez reconnaître les valets locaux, sachez reconnaître les esclaves de salon, sachez reconnaître tout ceux-là qu'on sous-doit pour venir vous vendre de fausses informations. Pour vous-même, restez serein et ne vous divisez pas. Parce que l'impérialisme a 1000 manèges dans son sac. Vous devez être vigilant. Vigilant et très vigilant. Merci à vous les VDP donc des différentes villes qui veillez jour et nuit pour que notre patrie reste debout. Et donc rendez hommage tous les jours aux FDS et aux VDP qui se battent au front. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à tous ceux qui se sont déplacés ici pour que nous puissions nous entretenir. Merci à ceux qui sont dehors, qui n'ont pas pu accéder. La patrie ou la mort. Voilà. Merci en pile. C'était jeune capitaine Ibrahim Traoré. Naturellement, qui était. Alors, son discours que moi aimais, et son intervention que moi aimais, monsieur Fay, monsieur Fampil. Et naturellement, m'a cherché tout moyen pour que moi gagne tout l'autre pour nous. Mais m'a dit nous que nous besoin des jeunes garçons comme ça, en d'un pays nous. Faut qu'on soit patriote. Lorsque jeunes garçons, pays en difficulté, ou pas arrêter de boire croiser, ou prendre plaisir dans l'autre pays, ou devait nous posons action concrète. Parce que pays moun pas pays ou, la kay moun pas la kay ou, quand on a pire à l'aise là, c'est la kay pas ou. Nous même beaucoup de pas nous, nous prenons engagement pas non, quel que soit le prix à payer, n'a fait bataille là, et n'a livré bataille. N'a livré combat. Bon Dieu bénisse chaque grand nous. Moi, mais nous en pile. Comme d'habitude, c'est toujours un plaisir, oui, pour nous ensemble avec vous. Que belle la balague, rendez-vous cassé.
demain si Dieu veut, 23 mai 2024 là. Qu'est-ce que là?